U20, Coupe du Monde féminine, il faut le préciser. World Cup 2024 Colombie, il faut préciser que la manche aller a été remportée par la Sénégalaise, les Lions de du Sénégal. 2-0 face aux jeunes Amazones donc du Bénin. Et de l'autre côté du Sénégal, Khadija Badio et bien évidemment de la formation U20 du Bénin. Et déjà, on a eu la chance donc, de vivre donc, en solo, en solitaire, donc les hymnes nationales des deux terrains. Que les jeunes Amazones, et c'est le coup d'envoi, c'est parti pour les 45 premières minutes entre les jeunes Lions et les jeunes Amazones. Et déjà, une première tentative sur les buts béninoises, Larissa Oyem, jeune Amazones, et c'est le coup d'envoi, c'est parti pour les 45 premières minutes entre les jeunes Lions et les jeunes Amazones. Et déjà, une première tentative sur les buts béninoises, Larissa Oyem. Khadijat, et qui va lancer la sortie entre-temps donc de Faye. On joue 20 minutes ici au stade Général Mathieu Kérékou. Le score est tout de 0 but partout. Au cumulé des matchs, avantage pour le Sénégal. Et la faute commise par Khadijat Imorou dans la surface de réparation sénégalaise. Ça permet à cette équipe de remonter, de regagner le terrain. Marguerite qui va renvoyer le ballon pour Khadijatou. Attention à Khadijatou, l'aide de pigeon, la défenseuse. La frappe, la gardienne, elle est dehors. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Yasmine Djibril. Intelligemment joué. Elle a vu Faye avancer. Elle n'a pas réfléchi. Elle a voulu tenter le coup de projectile, le lobe. Ah, c'est à près de 25 mètres. Attention à ce renversement de jeu. Elle a encore joué la passe. Elle n'a pas réussi à repousser le ballon. Et là, renfort, quoi jouer. Renfort va partir. Renfort, le dernier renfort. Et c'est aïe. Ça passe à quelques centimètres du poteau, côté droit. La meilleure occasion du Bénin. Renfort, Germaine. Aïe, tout le monde y a cru ici. On joue 45-2. Et là, ce sera vraiment une manière de mettre le Bénin sur les rails. Khadijatou. Elle est en face, je crois, de Aïcha. On joue en une touche de balle, balle interceptée. Elle se rattrape Khadijatou. Khadijatou va s'appuyer sur le pied gauche. Elle la frappe. Elle est amoff. Maintenant, attention, il y a encore joué pour le Bénin. La frappe. Aïe. Elle a trouvé le pied. Et c'était en plein dans la surface de réparation. Germaine qui a voulu s'appuyer sur Marguerite en une touche de balle. Et bon retour, Yasmine. Yasmine qui porte le ballon, Yasmine. Elle va rentrer. Yasmine qui réussit à servir. Yasmine. Aïe. Khadijatou Imorou. Elle attendait quoi, Khadijatou? Et la deuxième belle occasion du Bénin, a bien construite par Yasmine Djibril, à qui dans l'angle sans grand de la surface de réparation a réussi à faire quelque chose avec le ballon, de potable surtout. Et l'appel, c'était nickel et limpide. Adjindiaï, elle n'est pas à l'enjeu cette fois-ci. Le crochet. Et l'habit qui l'a joué parce qu'elle s'est écroulée. Khadija Badio, première buteuse au match aller. Eunice qui va appuyer le ballon, Eunice qui réussit à passer. Eunice, le crochet. Abdoulaye, le pied gauche. Abdoulaye va-t-il frapper. Le centre. Renfort qui était courte. Et là, ça va repartir. On change, c'est une variation sur le côté gauche rapidement, mais la belle présence, hein. Très belle présence de Deo Gracias. Elle ne prend pas de risque, Deo Gracias. Au niveau des journées FIFA, au niveau des matchs amicaux, au niveau des regroupements, il va falloir travailler. Au second poteau, elle fait l'ascenseur. Malheureusement, ce n'est pas sifflé, mais la tête, elle renvoie le ballon plus haut.